Jésus est souverain et il continue de l'être. On va écouter le témoin de la maman Thérèse. Maman Thérèse. Voilà. Maman Thérèse qui est venue d'Abidjan, qui était animée d'un esprit qu'on appelait la sorcellerie. Elle va se présenter elle-même et elle va nous dire ce qu'elle avait lorsqu'elle venait ici. Je me nomme Thérèse. Quand je venais ici, là, j'étais sorcière. Sorcellerie, je faisais, je tuais moi-même mes propres enfants. Je tuais mes enfants, je les faisais du mal, je les faisais tort. Je les faisais du mal en gâtant les trucs, en gâtant leur vie. Aujourd'hui, Dieu merci, je suis venue ici, dans le centre ici, vraiment. Celui qui dit la sorcellerie n'existe pas, il a menti. La sorcellerie existe. C'est un esprit vraiment, un esprit qui est mauvais, un esprit qui est tout, qui fatigue l'homme. Si tu ne te rends pas compte, tu fais du mal à beaucoup d'hommes. Aujourd'hui, Dieu merci, je suis venue au centre ici. Par la grâce de Dieu, j'ai tué mes enfants, mes deux enfants. J'ai fait du mal à mes enfants. On se connaît la vieille. Est-ce que c'est moi qui t'a dit de venir là ici? Non. C'est moi-même qui est venu. Je vois pas bien son visage. Parce que souvent les gens ils pensent que c'est des montages. Les gens ils pensent que c'est des montages. Vous qui êtes dans la salle, on ne se connaît même pas. Je ne connais pas quelqu'un parmi vous. C'est vous qui venez, vous êtes venu à Divo parce que vous avez un besoin de sorcellerie. Voilà. Moi, j'ai décidé par la grâce de Dieu, en fonction de mon temps, mon planning, j'ai décidé de parler avec vous. Voilà, donc, comment tu es venu à Divo? On se connaît? On ne se connaît pas. Comment tu es venu à Divo? Je suis venu à Divo pour ma libération. Qu'est-ce que tu as? Je suis sorcière. Qui est venu avec toi? C'est ma fille. Elle est où? Elle est là. On n'a pas venu. Je suis là. Ça va, je ne te vois pas bien tout un peu. C'est ta maman? Oui, papa. Comment vous êtes arrivé à Divo? Parce que les gens ils pensent que c'est des montages, souvent les gens rencontrent des conneries qui ne sont pas vraies. Comment vous êtes arrivé à Divo? Bon, je suis arrivé à Divo par information sur YouTube. C'est sur YouTube, j'ai vu les vidéos de délivrance, tout ça. Donc c'est en cela que moi-même je suis arrivé ici pour ma délivrance. Parce que j'avais tellement de blocages dans ma vie. Donc, je dis, tiens, je vais arriver là-bas pour voir ce qui se passe là-bas. C'est en cela que je suis arrivée ici. Donc, quand je suis arrivée, par la grâce de Dieu, j'ai eu ma délivrance. Donc, au cours de ma délivrance, l'esprit qui était en moi, c'est elle son nom qui a été donné par l'esprit. Ah, d'accord. Donc, l'esprit qui était en toi se manifestait. Voilà. Et disait que c'était elle. Voilà. C'est en cela que tu as su que les sorcières. Voilà. C'est en cela que donc, j'ai tu su. Tu l'as fait venir. Voilà, justement. D'accord. On va passer le micro. Allô? Est-ce que. Eh non, arrête-toi. Est-ce que toi et moi, on se connaît? Non. Non, il n'y a pas de ta fille. Non, papa. Mais oui, parce que les gens, ils pensent que souvent, on va vous acheter. C'est pas des montages, ce sont des choses. Vous êtes libre parce que chacun est libre. Ici, le centre, là, on ne force personne. C'est des gens qui viennent d'une manière volontaire, qui veulent se faire délivrer. Ok. Tu attends, hein? Je parle à la vieille. D'accord, papa. Donne le micro à la vieille. Allô? Ça va? Oui, ça va. Ça va, papa? La maman, comment. Vous êtes sorcière? Oui. Vous êtes quoi, juste? Je suis sorcière. Tu es sorcière comment? On tue les gens. Je tue D'accord. les gens. Oui, je sais. Tu es sorcière comment? Depuis quand tu es sorcière? Qui t'a donné la sorcellerie? C'est ma maman. Ta maman? Oui.
Comment t'as donné la sorcellerie? Elle était malade. Elle était malade et puis on m'a appelé, je suis partie là-bas. Quand je suis partie, elle était malade, je suis partie maintenant, deuxième mois, elle est en train de manger. Maintenant, quand elle a fini de manger, moi aussi, je n'ai pas fantasie, il n'y a plus le reste de manger là pour manger. Donc maintenant, après, elle est décédée. Après, elle est décédée, je suis venue chez mes enfants à Pékin. Maintenant, troisième mois, je suis repartie encore. Je suis partie maintenant, c'est à ce temps-là. Sa petite soeur là, c'est eux qui m'ont donné ça la nuit. La nuit, ils sont venus me chercher pour aller sur le monde de la sorcellerie. Donc, on est parti là-bas. Ils m'ont donné sang de l'homme. Ils m'ont donné viande de l'homme. Et j'ai mangé. J'ai bu. C'est là maintenant, deux jours après, ils sont venus me dire de rembourser. J'ai remboursé leur crédit. C'est ça maintenant, moi aussi, j'ai donné mon premier fils. Il s'appelait comment? Il s'appelait Moïse. Moïse? Oui. Quoi Moïse? Loua Moïse. Ok, tu l'as donné? Oui. Tu es de quelle ethnie? Je suis guinéenne. Tu es guinéenne? Oui. Tu es de la forêt? Oui. Parce que Loua, là, c'est pour la forêt, c'est Guernsey? Oui. C'est Guernsey, oui, papa. Aïe, parlez, non? Parlons de sorcellerie. Ah, c'est ça maintenant. Ils m'ont dit de rembourser. C'est ça, j'ai donné mon fils. J'ai donné mon premier fils. Parce que vous êtes sorcier, hein, vous les forestiers. À côté là-bas, il y a Zogota. Il y a un village qu'on appelle Zogota. Zogota, le village de Boutichon. Bon, donc tu as donné ton fils. Oui. Là, Moïse. Mm-hmm. Tu as donné comment? Matin, je suis parti la nuit. Il dormait. Donc, il était couché sur sa natte. C'est ça, je suis parti rentrer là-bas. Je l'ai appelé trois fois par son nom. J'ai appelé Moïse trois fois. Maintenant, j'ai pris son âme pour partir avec ça. Et tu l'as tué? Oui. Vous avez mangé? Oui. Ta fille, va t'asseoir. J'ai fini avec toi, maman, tu vas revenir. Et vous avez mangé ça? Oui. Vous êtes combien dans votre confrérie? On est 12. Vous êtes 12 dans votre confrérie. Oui. Qui est la responsable de la confrérie? Qui est responsable? Qui gère la confrérie? C'est ma maman qui était la responsable. Mais maintenant qu'elle ne vit plus. Elle ne vit plus. C'est moi, ils m'ont donné. Ok, donc c'est toi qui es responsable. Oui. De la confrérie. Uh-huh. Parce que tu dis ta maman est morte d'abord. Oui. Uh-huh. Donc c'est toi, bon. Oui. Donc vous êtes 12, mais 11. Vous êtes toujours 12, c'est ça? Uh-huh. Et donc c'est toi qui es la responsable de la confrérie. Oui. D'accord. Donc quand tu as tué Moïse, vous avez tu mangé. Oui. Quand tu dis qu'ils t'ont demandé, ça veut dire que tu avais déjà mangé la viande? Oui. D'accord. Tu as tué qui encore? J'ai tué encore le deuxième. Comment son nom? Lui, il s'appelait Joseph. Nabi. Il s'appelait Nabi. Je suis parti aussi encore pour le. Quand il dormait, je suis rentré dans la chambre, je l'ai appelé trois fois. Nabi. Et puis j'ai pris son âme pour partir dans le monde de la sorcellerie. Et quand tu les tues, quand tu prends leur âme, oui. Ils ne tombent pas malades? Si. Après, ils tombent malades? Oui. Moïse est mort de quelle maladie? Il est paralysé. Il est mort de maux de ventre. Il est mort de maux de ventre. Et Nabi, il est mort de quoi? Il est mort de vomissement, même chose. Il vomissait. Et puis qui encore t'a tué? J'ai tué ma petite, ma. T'as tué combien de personnes?
Il a tué 5 personnes. Il a tué 5 personnes. La troisième personne, c'est qui? C'est l'enfant de ma petite soeur. L'enfant s'appelait comment? Il s'appelait Mamé. Mami. Comment tu l'as tué? Je suis partie même chose pour aller chez elle à la maison. Pour aller rentrer dans la maison. Puis, je suis rentrée maintenant, je l'ai appelée aussi 3 fois. Quand elle s'est levée, j'ai pris son âme pour partir. Et comment elle est morte ici? Elle est morte de maux d'oreille. Quoi? Maux d'oreille. Maux d'oreille? Oui. Et tu as gardé qui et qui? J'ai gardé ma première fille. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Martine. Elle est où? Elle est où? C'est elle qui parlait avec toi tout de suite là. Ah, c'est elle, Martine. Voilà. Oui. Martine, tu peux venir? Tu es la première fille de la vieille. Oui, papa. Ok. Qu'est-ce qu'elle a gardé dans la vie de Martine? Qu'est-ce que tu as gardé dans sa vie? Elle était chez le docteur. Infirmière. Où elle travaillait, elle est partie. Elle a fait son école, elle a fini. Maintenant, elle est partie. Elle travaillait. Maintenant, c'est dans son travail là où elle travaillait. Là. Je suis partie là-bas. J'ai mis feu là-bas. J'ai brûlé tout. Comment tu as fait pour mettre feu? Vous voyez ce que je vous expliquais tout à l'heure. Vous voyez ce qu'on appelle une destinée orientée. Vous comprenez? Marty, vous voyez sa maman, Marty. À une destinée orientée. Va à l'école. Tu allais à l'école, c'est ça, Martine? Oui, papa. Une formation pour sortir comme infirmière, c'est ça? Oui, papa. D'accord. Vous voyez, donc elle sort comme infirmière, elle commence à travailler. Tu as commencé à travailler, c'est ça? Oui, papa. Et comment ton travail a été gâté? Bon. C'est. Il y a une secrétaire qui était là-bas. Ils ont envoyé l'alcool pour tester. Elle voulait tester l'alcool. Donc, elle était dans son bureau, il y avait les ordinateurs branchés. C'est en testant l'alcool que le feu est parti. Wow! Elle teste l'alcool comment? Avec bon. L'allumette. Voilà. Elle fait tout un peu d'alcool et puis elle teste. Où elle a testé là, il n'y avait rien autour. Il n'y avait pas de fil, mais le feu est parti tout d'un coup comme ça. Et la clinique a brûlé. Wow. Tout a brûlé dans la clinique. Rien n'est sorti. My tout l'immeuble God. Complet. Vous voyez? Comment vous voulez que nous arrêtons de combattre la sorcellerie? Comment vous pensez qu'on doit arrêter de combattre la sorcellerie? Et donc, c'est la vieille, c'est toi qui as fait ça? Oui. Comment tu t'es arrangé? Je suis partie là-bas un soir. Ce soir-là, quand ils ont mis les trucs là, je suis partie, j'ai regardé. Maintenant, la nuit, je suis partie là-bas, la nuit, pour mettre feu là-dedans. Et dans la journée, ça pue feu. Tu peux déjà organiser ça la nuit. Oui. My God. Vous voyez comment vous voulez qu'on arrête le phénomène de combat contre la sorcellerie. Et ta fille ne travaille pas, donc tu es contente. Tu es contente? Non, je ne suis pas contente. Mais comment tu peux aller cacher la vie? Et qu'est-ce que tu fais maintenant, Mathie? Bon, papa, je fais mon commerce. À la grâce de Dieu, j'ai 2 magasins de produits cosmétiques. Et puis j'ai un magasin de choses qu'on appelle boissons. Je vends les liqueurs en gros. Ok. C'est tout ce que tu as fait, Simati? Non. Tu as fait quoi encore? J'ai gardé son argent. Comment? Je suis partie un matin pour aller là-bas pour me vendre dans son argent. Donc, quand elle gagne l'argent, j'ai mis 20 dans son argent. Quand elle gagne l'argent, l'argent là, s'en va. Ça ne reste pas avec elle.
Bon, est-ce que c'était moi qui t'ai dit de dire tout ça? Non, jamais. C'est pas toi. C'est moi-même. Tu peux me libérer. On se connaît même pas. Et donc, tu mets l'argent, tu mets le vent, c'est-à-dire qu'elle dépense. C'est ça? C'est ça. Elle fait des dépenses inutiles, c'est ça? Inutiles, oui. Et qu'est-ce que tu as fait d'autre encore? C'est la seule, c'est le seul enfant, la seule enfant, le seul enfant que tu as? Non, ils sont sept. Non, c'est pas encore fini. Ils sont sept. Et tu as gâché la vie des sept, c'est ça? Oui. Tu avais déjà tué, c'est ça? Qu'est-ce que tu as fait aux ceux qui sont vivants de ça? La première, là, j'ai gâté son enfantement. Mais elle, c'est qui? C'est pas la première. Martine, là. Elle fait plus d'enfants? Non, elle n'a pas encore fait enfant. Elle a fait premier, mais maintenant, là, elle n'a pas encore fait enfant. C'est ça, Martine? Oui, papa. Tu as fait un enfant seulement? Oui, papa. Et tu n'as pas encore fait d'enfant? Non. Non. Le premier, à quel âge? Il a 19 ans, il est là. Ah oui, il est où? Merci, il est là, toi. Le vaste. Il se régale? Ouais. Dans quelle classe? Le jour terminal. Ah, super. Tu fais quoi? Quelle série? Je fais la série A2. Ah, tu es littéraire, c'est ça? Ouais. Tu as beaucoup fait en philosophie, en français? Oui, j'ai pas compris. Tu as beaucoup fait en philosophie et français, c'est ça? Non, histoire, je joue avec français. D'accord. Mais je t'encourage, je te motive à aller à l'école, d'accord? Ok. Voilà, il faut aller à l'école. Déjà, en terminale, quand tu es arrivé en terminale, c'est déjà très bon. Et je te motive déjà à aller très loin, d'accord? Ok, papa, j'ai compris. D'accord. Mathieu, tu vis avec qui? Bon, je suis mariée. Je vis avec mon époux. Tu es en quête d'enfant? Oui, papa. Avant la fin d'année, tu seras enceinte. Alléluia! Tu reviendras dans le mois de décembre en témoignage. Amen! 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 Le pouvoir des stérilités détruit sur ta vie dans le nom de Dieu. Amen! Amen! Amen. Voilà. En décembre, tu viendras dans ton témoignage. Amen! Amen! Ok. On poursuit avec la vieille. Oui, allô, papa. Oui, je t'écoute. Son argent est gâté avec son enfantement. C'est-à-dire que je suis vraiment dépassé. Comment tu arrives à... C'est comme des plus romans. Détruis un magasin, une infirmerie, une clinique, détruis ça. Vous avez fini ça? C'est l'esprit. Hein? Je dis c'est l'esprit, oh, papa. Mais l'esprit, là, vous ne maîtrisez pas ça. Vous ne maîtrisez pas. Mathieu, touche son ventre comme ça. Touche son ventre. Merci pour le miracle. C'est toi qui as donné un enfant à Sarah, même dans sa vieillesse. Tu as donné un enfant à Anne. Je proclame la puissance de ton esprit dans la vie de Mathieu. Ta gloire se manifeste dans sa vie. Et toute forme de stérilité est brisée. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, que le miracle de la fécondité s'installe dans ton ventre. La main puissante de Jésus-Christ se manifeste. Tout ce qui est gâché dans ta vie est détruit maintenant par la puissance qui est dans le nom de Jésus. La main de Jésus te libère et cette gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Cette gloire de Dieu se manifeste et la main puissante de Dieu. La main puissante de Dieu se manifeste. Reçois le miracle. Reçois cette délivrance. La main de Dieu se manifeste. La gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Reçois ce miracle, la fécondité. Et dans le nom puissant de Jésus, je proclame. Au nom de Jésus, je proclame ta délivrance.
Je proclame ta délivrance. Reçois ton miracle. Je guéris et libéré au nom de Jésus. Je poursuis. Je poursuis avec elle. Oui. Oui. La deuxième s'appelle Agnès. Oui. Agnès, elle est avec sa grande soeur maintenant. Elle était avec moi, elle a pris grossesse. Le monsieur qui l'a pris grossesse avec lui, le monsieur ne s'est pas occupé de sa grossesse. Quand il ne s'est pas occupé de ça, donc moi aussi, elle a accouché, le monsieur est venu à l'hôpital, une fois il n'est plus venu. Donc moi je l'ai cherché. Je l'ai cherché, j'ai dit parce que dépense que j'ai fait, je sais que toi où tu es là, tu ne vas pas faire dépense là. J'ai trop souffert, donc les enfants vont rester dans ma main, il faut partir. Quand je lui ai parlé comme ça, la nuit je suis partie chez lui à la maison, je l'ai chicoté. Je l'ai chicoté jusqu'à quand il m'a dit, ah, il a dit que lui il va partir. J'ai dit, il faut partir. Donc depuis qu'il alors, est parti. Quand tu l'as chassé, la nuit à sorcier, tu as le chicoté. Il est bien chicoté maintenant, après il est parti. Il n'est plus venu jusqu'à aujourd'hui. Les enfants, ils ont 6 ans aujourd'hui, ce sont des jumeaux. Il y a Yohan et puis Yohana. Non, le monsieur, il a fui. Non, hein, il a fui, il est parti. Donc, la fille n'est pas mariée. Non. Et donc, tu la regardes comme ça, tu es content. Non, je ne suis pas content, papa. Je ne suis pas content, même. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Agnès. Agnès quoi? Loua Agnès. Je libère la vie de Loua Agnès. Amen. Le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous voyez comment le diable peut détruire un mariage, vous comprenez? Voilà. Il y avait un mariage et le diable détruit ça. Il peut détruire ta destinée maritale. Il peut détruire ça. Vous comprenez? Pour vous dire des choses que nous voyons pensant que c'est rien du tout et que c'est des choses de la vie, on finit par accepter ça comme ça, mais derrière, il peut y avoir une main occulte. Vous comprenez? C'est pour ça que nous autres, Dieu nous utilise pour dévoiler et dénoncer la sorcellerie. J'ai toujours dit celui qui combat le prophète Crasso. Surtout les dieux, quel dieu Dieu nous amène à faire. Celui qui combat le prophète Crasso est un sorcier. Ça, c'est déclaré sorcier. Parce que ce que nous faisons, nous dénonçons, nous dévoilons les œuvres des ténèbres et nous détruisons les œuvres des ténèbres. Ça vous instruit tout ce qui se passe. Parce que la sorcellerie, c'est là de la nuisance. Regardez une mère. Écoutez, on n'accuse pas. Je ne suis pas venu l'accuser. Est-ce qu'on t'a accusé? Non. C'est pas toi qui les a mis au monde? Oui. Mais pourquoi tu as la base de leurs problèmes? Arrivé au papa. Non, tu es une maman. Tu comprends? Ça veut dire que ta propre mère doit être la base de ton problème. Ce n'est pas une question d'accuser. Je n'accuse personne. Oui. Elle et moi, on ne se connaît pas. Je suis en France ici. Oui. Ils sont venus, vous êtes venus pour faire votre délivrance. Oui. Parlez pour la personne. Peut-être qu'il y a d'autres qui nous amènent. Voilà. Donc, j'ai décidé de vous prendre pour prier avec vous parce que j'ai un bout de temps. Oui. Elle, oui. On ne se connaît même pas. Oui. Alors, donc, c'est la mort. Elle est la mère. Elle est la mère. Vous dites que ta maman peut être la mère de ta destination, ton père. Mais pour nous, ce n'est pas une fin en soi. On dit, je n'en tue pas un sorcier, on délivre un sorcier. Si elle reconnaît qu'elle a pratiqué la sorcellerie, si elle reconnaît qu'elle a fait des aveux, Jésus-Christ l'a accepté qu'elle est, parce que la plupart du temps, Jésus n'est pas venu pour les mauvaises, les justes, il est venu pour les mauvaises personnes. C'est lui-même qui a inauguré le ciel, là, le paradis, là, le ciel, là. C'est un brigand. Jésus dit aujourd'hui, là, tu seras au paradis avec moi. C'est un brigand à la gloire de Jésus. À la gloire de Jésus. Donc, ce que vous dites, oh, personne n'est juste cette paix. Tout le monde a besoin de Christ. Peu importe. Pourvu que tu reconnaisses, n'est-ce pas, tes péchés, tu les avoues et Jésus t'accepte. Et tu as détruit combien d'enfants? Deux enfants. Le troisième, là, lui, il est là, il est paralysé, il est là. Le garçon. Un troisième qui est paralysé. C'est un garçon aussi. C'est le dernier. Le dernier. Oui. Hein? Son nom? Paralysé, il est où? Il est à la maison. Il est à Abidjan. Ça fait combien d'années qu'il est paralysé? Ça fait un an. Un an. On va voir comment on peut l'amener pour qu'on puisse prier pour lui. D'accord. J'ai compris, papa. Il ne marche pas du tout. Il ne marche pas. Il va marcher. Comment tu l'as paralysé? Il est parti à l'école. Il est parti à l'école, je suis parti derrière lui, j'ai pris bois pour limer sur son dos. Et puis il est tombé, il ne s'est plus levé. Il partait à l'école. Et il est, hein?
Et tu as pris un bois. Mm-hmm. Et tu as limé dans son dos. Oui. Pourquoi tu fais ça? C'est l'esprit, papa. C'est l'esprit qui fait. C'est l'esprit. Il n'a pas fait 9 mois dans ton ventre. Si, il a fait. Tu n'as pas souffert quand tu le mets au monde? Si. Mais pourquoi? Il est innocent, le petit. En plus, il va à l'école et puis toi, tu es de la mère et tu le détruis. C'est l'esprit, oh, papa. L'esprit. Dans l'esprit, là, quand il fait là, il ne se maîtrise pas. Wow. Je suis moi-même choqué, tu vois. Quelqu'un qui est en train de chercher son avenir, il va à l'école. C'est quelque chose qui est normal d'ailleurs. Et toi, tu l'assommes. Pourquoi cette sorcellerie ici est cruelle comme ça? Et tu l'as assommé, c'est ça? Oui. Vous voyez, vouloir mettre fin à cette œuvre, vouloir détruire cette œuvre-là, ça veut dire qu'on est agent du diable. Parce que nous autres, nous ne sommes pas d'accord que la sorcellerie, nous ne tuons pas les sorciers, nous les délivrons. Mais nous sommes aussi contre les œuvres de la sorcellerie. Contre les œuvres de la sorcellerie. Et l'enfant, il est à la maison. Oui. Et quand tu le vois, tu es contente? Non, je ne suis pas contente. Mais puisque c'est toi qui l'as informé. Que Dieu te pardonne. Amen. Amen. Que Dieu t'aide. Amen. Tu as fait quoi encore? C'est ça, c'est les autres, là, les filles. Là, j'ai gâté leur mariage, j'ai gâté leur enfantement. Et j'ai fait pour eux. Et tu fais quoi encore dans la vie? Tu as fait quoi? Tu as fait quel gâchis encore? Je veux savoir. Bon, enfin, je suis. Elle m'a donné l'argent de partir en Guinée. Donc, ma fille, là, la grande Martine, oui. Elle m'a donné l'argent de partir au village. Pour aller, de la manière, voyait la situation, façon, là, c'est ça, elle a dit, ah, maman, moi, je ne connais pas votre coutume. Toi, il faut partir. Tu vas aller demander, qu'est-ce qui se passe? Parce que nous, on ne comprend pas. Il faut aller demander famille paternelle comme maternelle. Donc, ce qui est là, tu vas venir nous dire, parce que nous, on ne comprend plus rien. 2019, là, ça sera la fin de tout ce que nous suivons. Et on doit, tu vas nous dire. Oui. Que 2019, là, que ce soit la fin de vos problèmes. Un matin, ils sont venus à la maison avec sa soeur. Les quatre, là, sont venus à la maison. Les jours, là, je partais vendre poisson. Je suis sorti net, je les ai vus. Tu les vends belé. Poisson frais. Ah, les poissons, je ne vends pas belé, c'est poisson. Donc, je suis sorti. Non, c'est pas belé. C'est poisson. Okay. Je partais vendre poisson là maintenant, je les ai vus sur la route. Tu connais ce qu'on appelle Bel Air? Je connais, mais je ne vois pas. Ah, c'est bon. Les vieux qui voient Bel Air là, elles mettent sucre de sel dans le sauce. Adèle, tu as mis sucre dans son graine. Elle est durée de dans la maillot, elle a dit, Bel Air, sa maman était saoulée, elle allait dormir. Il dit, sa maman est saoulée, c'est un ami pasteur. Stagiaire, on mange, j'ai pris un poumon, j'ai flacalé sur le graine. J'ai mis un poumon dans la bouche, j'ai craché, j'ai dit, faut goûter. Encore, faut goûter. Quel ami a commencé à pleurer, il dit, sa maman l'a eu. C'est ce que je voulais faire. Oui, allons-y. Cela maintenant, elle m'a donné l'argent de partir au village, d'aller demander parents paternels. Ceux qui ne savent pas, c'est la liqueur. Bizarre du pays, dans le cœur, la bizarre, son affaire. J'ai pas d'air, bizarre. On fabrique un vin de palme. Quand tu bois ça, tu deviens autre chose. Allons-y. Oui, j'ai pas d'air vendre poisson un matin. C'était même vendredi matin. Elle m'a vu sur la route. Elle dit, madame, tu t'en vas vendre poisson. On est venu à côté de toi. On veut te parler. Donc, je me suis retournée avec eux.
pour partir à la maison. Donc ils m'ont parlé que, hein, on veut te dire que cette année 2019, là, avant la fin de 2019, notre problème, tout n'a qu'à finir. Si ce n'est pas fini, ah, c'est toi, on te connaît. Parce que dans ta famille, on ne connaît pas là-bas, mais c'est toi, on connaît. Donc j'ai dit d'accord, j'ai dit j'ai compris. Mais ils sont tous nés en Côte d'Ivoire? Oui. Ah, ok. Donc maintenant, elle m'a donné l'argent, elle m'a donné 100 000. Elle m'a donné 100 000 de partie. Donc je suis partie au village. Je suis partie vers Paternel. Paternel, ils m'ont dit qu'ils n'adorent rien, qu'ils n'adorent pas quelque chose. Que de partir vers Maternel pour demander. J'ai insisté jusqu'à... Il y a un qui m'a dit, vers ta maman, là, il faut partir demander là-bas. Que c'est là-bas, ton problème là sort. Donc, non, mais... ce que je veux dire, oui. C'est que c'est toi qui étais à la base. Oui, oui. Ah, maintenant, pourquoi tu as pris la grande parole? Je vais parler en direct. Non. Je suis partie, parce que moi, j'étais à la base, mais je ne savais pas. Je suis partie là-bas maintenant, c'est là maintenant j'ai vu que vraiment ce qu'on dit là c'est vrai. Non, je ne comprends pas. Oui. J'étais sorcier quand tu partais. Oui, oui, oui. Alors, mais pourquoi tu savais pas comment? J'étais ça pour partir. J'étais sorcier pour partir maintenant. Tu étais déjà sorcier quand tu partais. Oui. Maintenant, pourquoi tu es parti? Puisque toi-même, tu sais que tu es la base du problème des enfants. Mm-hmm. Et t'ont dit, mm-hmm. il faudrait que cette année 2019, nos problèmes s'arrêtent. Mm-hmm. Tiens, va voir peut-être dans la famille paternelle, maternelle. On veut savoir l'origine de nos problèmes. Mm-hmm. Sachant que c'est toi qui as la base des problèmes. Mm-hmm. Pourquoi tu prends la lettre, tu t'en vas? Donne-moi la réponse. Oui, c'est ça vraiment qui m'a... comment dire? Le diable m'a trompé vers là. Il t'a trompé comment? En disant qu'il faut partir, faut partir. Mais en disant qu'il faut partir, ça dit toi-même tu ne veux pas la libération des enfants. Hein? Oui. Je suis parti. Je suis venu. Hein? Et dit je suis parti et puis revenu. Je n'ai rien vu là-bas même, je suis revenu encore. Mais tu ne peux rien voir puisque c'est toi qui as le problème. Tu allais dépenser l'argent cadeau. En fait, c'est ça un peu mon problème. Tu allais dépenser l'argent, ça dit cadeau. Sachant que c'est toi qui as la base des problèmes des enfants. Pourquoi tu n'as pas dit ouvertement que c'est toi qui es l'origine de leurs problèmes? À l'origine de leurs problèmes. C'est ça après ça, je suis revenu, j'ai dit, mais j'ai pris l'argent là pour partir là. En tant que c'est moi-même là, j'ai parti faire quoi. Donc je me suis retourné pour venir. Mais maintenant, la preuve c'est que tu allais demander du côté paternel. Je suis parti demander, personne ne m'a répondu. Mais personne ne peut te répondre parce que c'est toi qui as la base. Il y a des questions que je me pose, parce que je me dis, mais c'est quoi, c'est quelle méchanceté? Un moment, il faut quand même sérieux. Il faut quand même dire ce qu'on a fait. Tu prends l'argent, bien sûr, tu t'en vas. Mais pourtant, c'est pas sans que ce soit à la base, ça pousse le problème. Il fallait dire à mes filles, mais vraiment, je veux maintenant demeurer. Maintenant, regarde où ça t'a envoyé aujourd'hui. Elles n'ont pas baissé aussi les bras. C'est ça qu'il ne faut pas baisser les bras. Les gens, ils ne viennent pas dans les centres parce qu'ils sont malades. Et parce qu'ils ont perdu la tête. Non, c'est parce que les gens ont perdu la tête. Les gens ont compris que si on ne s'élève pas, à un moment donné de notre vie, si on ne s'élève pas pour faire la délivrance, il sera difficile que les choses se passent. Tu vois, elle n'a pas laissé. Hein. Elle est venue au centre pour prier. Et le Seigneur, dans sa grâce, il est en train de la délivrer. On est sorti. C'est comme ça que tu as demandé de venir. Oui. Mais heureusement que tu as répondu. Oui. Bon, Dieu merci. Mais je vais savoir, on te donne 100 000 francs pour aller au village. Tu as les 100 000 francs. Et tu t'en vas au village, sachant que c'est toi qui as la base des problèmes des enfants. Qu'est-ce que tu me penses? Qu'est-ce que tu en penses? Avec toute cette méchanceté que tu as fait, toute cette méchanceté. D'abord, je te rassure que Jésus t'a pardonné. Amen.
Si tu reconnais avant de confesser, Jésus t'a pardonné. Amen. Il faut que tu acceptes Jésus-Christ et que tu marches avec lui. Amen. C'est ce qu'il a fait maintenant. Il a fait ça. Tout le long de ma vie, j'ai servi Dieu. Il faut le servir. Oui. Tu peux prier avec mon Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je décide. Je décide. De t'accepter. De t'accepter. Comme sauveur. Comme sauveur. Et Seigneur. Et Seigneur. Personnel. Personnel. Entre dans mon cœur. Entre dans mon cœur. Et fais de moi. Et fais de moi. La personne. La personne. Que tu désires. Et tu désires. Que je sois. Que je sois. Merci de m'avoir pardonné. Merci de m'avoir pardonné. Merci de m'avoir accepté tel que je suis. Merci de m'avoir accepté tel que je suis. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Dieu t'a pardonné. Amen. Aujourd'hui. Amen. Son sang vient de te purifier. Amen. Et comme tu dis, c'est l'Esprit qui fait. Ça veut dire qu'il est là. Oui. Il faut que l'Esprit la quitte ta vie. Amen. Et que tu sois totalement libéré. Et que tu ne voyais pas tes filles là comme viande. Amen. Parce que Boukari, vend viande au marché. Tu peux aller acheter Boukari, viande. Amen. Toi-même qui vends poisson. Faut manger ça. Parce que viande des enfants, tu veux manger. Je suis choqué. Vrai, je ne veux plus revenir sur le passé. Un enfant, tu lances. Il faut que l'enfant la vienne comprendre pour lui. Amen. Et que Dieu opère un miracle. C'est pour vous dire, création n'est pas l'auteur d'un miracle. Je ne peux pas faire un miracle. C'est pas moi qui fais le miracle. Quand vous venez au centre, c'est votre foi qui permet au Seigneur de vous guérir et de vous délivrer. Amen. Vous pouvez venir. Un semblant de foi, on peut prier pour vous et puis la chose ne peut pas se produire. Comme on peut prier pour vous, puis Dieu peut agir. Nous prions, nous avons la foi, nous prions. Mais la chose qui est plus importante, c'est de croire et voir le résultat dans votre vie. Amen. La preuve, c'est quand vous venez, il y a un miracle. La preuve, c'est que la fille, tes filles, sans arriver au centre, elles ont demandé à Dieu d'agir. Donc Dieu les a orientées au centre. Quand il est venu déjà, il y avait un miracle. Parce qu'en entendant parler, il a commencé à entendre que Dieu a commencé à parler. Et à partir de ça, voilà, et la suite. C'est une suite, c'est une continuité. Hein. Donc c'est qu'elle a lancé comme défi pour dire au Seigneur, 2019, soit une année de délivrance. Mais voici ce qui est en train de se produire. Dieu a vraiment orienté les choses et Dieu est en train d'agir, effectivement. L'année 2019 est vraiment une année pour vous de délivrance. Amen. Dieu ne peut pas t'écarter de cette délivrance en sa miséricorde. Il te délivre aussi. Amen. Tu veux être délivré? Oui, papa. Touche ta tête. Je commande à ce démon de la sorcellerie, depuis Divo, ce démon dans sa vie, cet esprit de la sorcellerie, je t'ordonne par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Tu vas dégager de sa vie. Tu vas partir de sa vie au nom de Jésus. Come on!
Voilà, Jésus vient de te délivrer, maman. Jésus vient de te délivrer. Continue de le servir. Nous avons besoin de l'enfant qui est paralysé. Et nous allons prier pour lui parce que c'est important qu'il expérimente aussi la puissance de Dieu. Je n'ai aucun miracle dans ma main. J'ai ma foi. Et cette foi-là qui croit que Dieu, à distance, depuis la France, Dieu peut te guérir. Amen. C'est ma foi. Voilà, c'est ma foi. C'est ma foi. Amen. Je demande à Marty Gwele. Je suis là, papa. Tu peux faire tout à ta maman. Elle est plus sorcière. Je merci que ce que vous avez souhaité, la délivrance de votre famille en 2019, oui, en train de s'accomplir. Amen. Pas parce que Crasso veut. Parce que Dieu a voulu que ça se passe ici. Amen. Je remercie Dieu qui m'a utilisé. Sinon, il peut utiliser n'importe qui. Si vous voulez, tout le monde, celui qui veut du moins, parce qu'il est souverain, pour vous délivrer. Je lui rends toute la gloire de m'avoir utilisé simplement. Je ne suis rien. Je suis un simple ouvrier du Seigneur. Amen. Voilà, je ne suis rien. Et je rends gloire au Seigneur. C'est des choses auxquelles je ne m'attendais même pas. J'ai décidé comme ça de vous aider parce que j'avais un bout de temps. J'ai dit au pasteur que je devais prendre l'assemblée parce que j'ai vu le monde qui était là, n'est-ce pas, qui attendait une délivrance. Donc, j'ai organisé un temps pour prier pour vous. Alors, j'ai béni le nom du Seigneur qui continuera, n'est-ce pas, ce qu'il a commencé, il continuera dans votre vie. Amen. Je vous conseille, ne laissez pas la main du Seigneur. Continuez à marcher avec Jésus. Amen. Si vous abandonnez la main du Seigneur, ne dites pas, le prophète a prié pour moi et je n'ai rien vu. Ce n'est pas quelqu'un qui doit voir. C'est une question de continuité. Oui. Alors, si vous continuez de marcher selon le Seigneur, aussi longtemps que vous marchez avec Dieu, Dieu continuera de vous protéger. Amen. Si vous abandonnez la voie du Seigneur, les esprits vont revenir et ça sera pire. Amen. 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 Alors, respectez votre maman. Alors, elle vient d'être délivrée. Elle est une mère et une mère. Ben, elle avait un problème de sorcellerie. Gloire à Dieu. La chose s'est produite. Continuez de l'honorer. Continuez de lui devoir du respect. On a besoin de la suite. Je sais que de tout mon cœur, par la grâce de Dieu, tu viendras rendre ton témoignage en descendant. Amen. 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 Je crois de tout mon cœur que les choses vont commencer à délivrer dans votre famille. Amen. Je crois de tout mon cœur que ton frère, qui est malade depuis un moment, va s'élever pour marcher. Parce que c'est votre année. Amen. C'est votre année. Pas parce que je voulais, pas parce que Dieu entend. Alors, trop est trop, le Seigneur agit. Cette année 2019 est pour vous une année de restauration, Amen. Une année de gloire, une Amen. Année de bénédiction. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le fardeau, tous vos problèmes, que tous vos fardeaux, que Jésus les résout. Amen. Que la puissance de Dieu restaure vos familles. Amen. Que la puissance de Dieu se manifeste dans vos familles. Amen. 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 Depuis ta délivrance, comment est-ce que tu te sens maintenant aujourd'hui? Par la grâce de Dieu, je me sens bien. Je dors bien, je ne rêve plus. Non, avant, tu ne dormais pas bien. Je ne dormais pas bien. Je ne dormais pas bien. Depuis que Dieu t'a délivré? Il m'a délivré, je dors bien. Je me lève bien et je fais ce que je peux faire. Voilà. Maman, qu'est-ce que tu peux dire à ceux-là qui sont encore dans la sorcellerie, qui ne veulent pas laisser? Je veux leur dire que vraiment, ce n'est pas une bonne solution. Ce n'est pas ce que Dieu a dit que de faire. Ce n'est pas bon. Ça, là, c'est l'œuvre du diable. Quand tu es dedans, tu viens ici à Divo. Tu viens ici vraiment, tu seras délivré. Ce n'est pas une bonne chose pour quelqu'un. Ce n'est pas nos souhaits. Mais si cet esprit-là vient en toi, il faut faire un effort pour le chercher. Il faut faire un effort pour chercher un coin. Ce n'est pas tous les coins qu'on chasse dans le monde, mais ici à Divo, si tu viens ici, en tout cas, tu seras délivré. Tu seras délivré dans le nom de Jésus. Je dis à tous celles et ceux qui sont dedans là, qu'ils n'ont qu'à trouver solution pour quitter dans ça là. Ce n'est pas une bonne mission. Ce n'est pas un bon travail. On doit faire l'œuvre de Dieu. On n'a qu'à suivre Jésus.
Lui qui a versé son sang sur la croix pour nous, on n'a qu'à le suivre, pour que lui-même, il nous bénisse toujours. Donc, celui qui dit que la sorcellerie n'existe pas, il a menti. Ça existe. J'ai dit merci à Dieu. J'ai dit merci à Dieu qui m'a sauvé, qui m'a enlevé dans la sorcellerie. Aujourd'hui, mon témoignage que j'ai béni le nom de Dieu, j'ai béni son nom toujours. Je lui dis merci pour qu'il m'a enlevé dans cette difficulté-là. Je lui dis merci. Je lui dis merci qu'il me donne toujours la force de le suivre. De le suivre de tout mon cœur, de toute mon âme. Je lui dis merci pour ce qu'il a fait pour moi. Il n'a qu'à continuer de faire pour les ceux qui ne connaissent pas, il n'a qu'à continuer de faire pour eux aussi, qui seront sauvés comme moi je suis sauvé aujourd'hui. J'ai dit merci à l'Éternel. Je lui dis merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et je continue de lui dire merci toujours. Donc, c'était le témoignage de la maman Thérèse, qui est venue d'Abidjan avec ses enfants. Et nous disons aussi merci à son serviteur, le prophète Joël Crasso, que Dieu utilise encore plus puissamment, que Dieu lui accorde toujours sa force, son onction et une longue vie pour pouvoir apporter la vie à ces personnes qui en ont besoin pour dépeupler le royaume de Satan. Le diable vient d'encore perdre un élément parce que cette maman, elle était agent du diable. Mais aujourd'hui, Dieu l'a fait sortir de là-bas et Dieu l'a envoyé sur la lumière. Alors nous disons merci au Seigneur et merci au prophète Joël Crasso. C'était le pasteur Serge depuis Divo.